Bienvenue sur le site de Geek MPS. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le Furibee F90 qui m'a été envoyé par la société Gearbest. Ce chrono s'adresse plus particulièrement aux débutants qui n'ont pas envie de monter, pas envie de souder, puisqu'il est déjà tout monté, tout soldé. Vous trouverez dedans une carte SP Racing F3 Evo, un récepteur omnipotent 8 canaux et un module caméra IO d'une portée 60 mètres. La portée pratique du récepteur, c'est 1,5 km en extérieur et 150 mètres en intérieur. Vous n'échapperez pas à l'étape de configuration via Betafly. Je rappelle que le transmetteur n'est pas fourni en version 1, seule la version 3 fournit tous les éléments, c'est-à-dire la visualisation et le transmetteur. Je vous conseille de faire des pauses pour regarder les paramètres que j'ai utilisés pour configurer Radio Commande, une Devo 7E avec le firmware Deviation. Je me suis fait aider par Olivier de ElectronDad. Vous pourrez aller consulter son blog, le lien sera dans la description. Car j'en étais bien incapable en tant que grand débutant. Vous voyez, le trône est particulièrement stable. Il y a peu de rattrapage à faire aux commandes, voire pas du tout. Il est extrêmement maniable et précis. Après cette démonstration en extérieur, nous n'avons pas utilisé le module FPV, nous avons fait le pilotage uniquement en visu. Et on notera un gros défaut, c'est qu'il faut systématiquement l'appareil. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tous les détails, les captures d'écran, notamment de Betafly, sont sur le blog. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.